Message de paix bien-aimé, avez-vous oublié que vous êtes des êtres d'amour? Ne vous rappelez-vous pas que vous vous êtes incarné sur la Terre en cette période de transition pour faire l'expérience de la paix? Ne vous êtes-vous pas laissé piéger par la propagande de l'ordre mondial au lieu d'établir votre propre ordre intérieur? Nous nous rappelons qui vous êtes, et nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider à vous souvenir de votre vraie nature. Vous êtes les enfants des étoiles. Vous êtes les artisans de la paix. Vous êtes des êtres d'amour. Nous sommes les êtres de lumière. Nous n'avons pas oublié qui nous sommes, et nous sommes ici, en train d'entourer la Terre d'amour et de lumière, pour vous aider à revenir à votre véritable nature. Nous ne vous quitterons pas. Vous êtes en sécurité. Vous êtes dans les bras de l'amour. Si vous voulez vivre dans un monde en paix, commencez par établir un monde en paix à l'intérieur de vous-même. Maintenez dans votre esprit des pensées de paix, et agissez avec de l'amour dans votre cœur. Rappelez-vous que ce sur quoi vous vous focalisez augmente en intensité. Laissez la paix entourer votre être. Laissez la paix être votre seul but. Ne regardez pas l'état du monde, car personne ne peut être en paix en regardant les problèmes du monde. Tous les problèmes apparents, que la Terre et la vie sur la Terre, expérimentent vont très probablement augmenter en intensité à mesure que les vibrations supérieures d'amour et de paix deviendront visibles. La période actuelle est une période de nettoyage, non seulement pour chaque être humain, mais aussi pour la Terre elle-même. Vous êtes inexorablement conduit vers la seule solution pacifique possible, établir la paix dans votre cœur, là où vous avez tout contrôle. Ceux d'entre vous qui ont encore de la haine dans le cœur, ceux qui n'ont pas encore guéri des relations avec leur famille ou des amis, cela gaspille leur temps à tenter d'apporter la paix dans le monde. Voici plusieurs manières de commencer à vivre dans une paix immuable. Prenez un peu de temps pour noter toutes vos relations non guéries. Ce sont vos problèmes personnels au sujet desquels vous pouvez faire quelque chose pour apporter davantage de paix dans vos relations et dans votre famille. Choisissez une relation avec une personne en particulier et ayez des pensées d'amour envers la personne concernée. Prenez l'engagement envers vous-même et envers tous les autres êtres humains de contribuer à apporter la paix sur la Terre. Voici le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui. Quand est-ce que vous avez essayé quelque chose de nouveau pour la dernière fois? Notre existence est pilotée par les mêmes habitudes et nous avons tendance à manger les mêmes aliments, à porter les mêmes vêtements, et à aborder les choses de la même manière. Une des méthodes pour perdre son énergie et la connexion avec l'univers, c'est de vous sentir à l'arrêt ou isolé dans votre vie, mais il existe des solutions pour y remédier. Le moyen le plus rapide pour résoudre ce problème est d'essayer quelque chose de nouveau. Fait cuire un plat d'une manière différente. Prenez un chemin alternatif pour aller travailler. Portez une paire de boucles d'oreilles différentes. Fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous serez surpris de voir à quel point toutes ces petites choses que vous faites amélioreront votre niveau énergétique. Essayez et faites-moi savoir en répondant à cet article si ça a fonctionné pour vous. Je vous souhaite un excellent moment. Thank you.
Voici le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui. Quand est-ce que vous avez essayé quelque chose de nouveau pour la dernière fois? Notre existence est pilotée par les mêmes habitudes et nous avons tendance à manger les mêmes aliments, à porter les mêmes vêtements, et à aborder les choses de la même manière. Une des méthodes pour perdre son énergie et la connexion avec l'univers, c'est de vous sentir à l'arrêt ou isolé dans votre vie, mais il existe des solutions pour y remédier. Le moyen le plus rapide pour résoudre ce problème est d'essayer quelque chose de nouveau. Fais cuire un plat d'une manière différente. Prenez un chemin alternatif pour aller travailler. Portez une paire de boucles d'oreilles différentes. Fais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous serez surpris de voir à quel point toutes ces petites choses que vous faites amélioreront votre niveau énergétique. Essayez et faites-moi savoir en répondant à cet article si ça a fonctionné pour vous. Je vous souhaite une excellente journée avec tendresse, Tiana Soffan.